Sois le bienvenu, sois la bienvenue à l'église La Liberté Live. Aujourd'hui, on poursuit notre série intitulée Focus. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart du temps, on passe nos journées à courir après l'argent. Est-ce que tu as remarqué ça? Bon, c'est vrai que c'est important, il faut de l'argent, non? Sinon, on va manger comment? On doit payer le loyer. Il y a plein de trucs qu'il faut payer. Puis parfois, on a des responsabilités. On a des familles, oui, c'est sûr, l'argent, c'est important. On doit en avoir, je suis d'accord avec ça. Mais il y a un côté pervers avec l'argent. C'est qu'au début, on cherche l'argent pour des besoins qu'on va dire primaires. Manger, se loger, payer les choses basiques. Mais plus on en a, plus on en veut. Pourquoi ? Parce que quand on commence à avoir un peu plus d'argent, nos besoins commencent à être, soi-disant, plus importants. Un peu plus d'argent, on se dit « Ah, mais moi, alors maintenant, je vais m'habiller dans tel magasin. Je vais manger à tel endroit. » Et tu vas élever ton niveau de vie. Donc, tu n'auras jamais assez d'argent. Parce que chaque fois que tu en auras plus, tu vas élever le niveau de vie. Et c'est ça qui va faire que tu en voudras toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et la poursuite de l'argent devient finalement notre activité principale. Tu me suis ? Aujourd'hui, je dois te rappeler qu'un jour, tu quitteras cette terre. Et que si tu as juste poursuivi l'argent sans recevoir le salut en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Bienvenue à La Liberté Live. Mais c'est vrai. Si tu as juste poursuivi l'argent sans te soucier du salut en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Et l'enfer, c'est quoi ? C'est un lieu de séparation avec Dieu. C'est un lieu de souffrance éternelle. C'est horrible. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est où est-ce que tu décides de passer l'éternité ? Où est-ce que tu décides de passer l'éternité ? Parce que la décision t'appartient à toi. Est-ce que tu décides de passer l'éternité au paradis avec Dieu ou loin de Dieu en enfer ? Aujourd'hui, on va être focus sur le salut en Jésus-Christ. Et on va voir six vérités sur le salut. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir 6 vérités sur le salut ? Manifeste-toi, fais du bruit, montre-moi que tu es là, que tu écoutes. Premièrement, comment faire pour échapper à la mort éternelle ? Comment faire pour échapper à l'enfer ? Alors, écoute-moi bien. On est uniquement sauvé de l'enfer en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Ok ? C'est assez simple. Autrement dit, on est sauvé de l'enfer en décidant de placer toute notre confiance en Jésus-Christ. C'est juste ça. Jean 3,16 nous dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu as vu ? Cette notion de foi, de croire. Romains 19. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Donc ça veut dire quoi ? On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Ça, ce n'est pas possible. Même si tu fais plein de bonnes actions. Même si tu aides toujours ta famille, les pauvres, tu fais plein d'actions toute ta vie et tout. Non, tu ne peux pas te sauver toi-même. Sans placer ta foi en Jésus-Christ, toute ta confiance en lui, tu vas en enfer. Éphésiens 2, versets 8 et 9. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Le salut en Jésus-Christ, c'est par la foi. Tu décides de placer toute ta confiance en Jésus, tu reçois le salut en Jésus-Christ. Bon, le salut en Jésus-Christ, concrètement, ça veut dire quoi exactement ? Moi, je veux qu'on comprenne bien ça. Parce que c'est bien de venir à l'église semaine après semaine, c'est bien de vouloir entendre parler des grandes révélations, des grands mystères. Mais si on ne saisit pas déjà ce que c'est réellement le salut en Jésus-Christ, on perd notre temps. Ça sert à quoi de recevoir les toutes grandes révélations si on n'est même pas sauvé ? Ah !
Et moi, je pense que une des très grandes révélations, c'est de comprendre le salut en Jésus-Christ. Pour faire simple, ça veut dire qu'en plaçant toute ta confiance en Jésus, tu reçois tout d'abord le pardon de tes péchés, passé, présent, futur. Passé, en général, on peut le comprendre, on se dit, bon, ok, je place ma confiance en Jésus, je reçois le pardon de mes péchés passés, mais aussi présent et futur. Ça veut dire que tes fautes présentes et futures sont déjà couvertes par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est très fort. Tu dois saisir ça. Et en plaçant toute ta confiance en Jésus-Christ, tu reçois aussi l'accès à la vie éternelle. Ça, c'est juste vite fait, vite dit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir quatre points qui sont liés au salut en Jésus-Christ pour bien comprendre. On va creuser un peu plus en profondeur. Premièrement, tout commence par l'étape où on doit reconnaître notre besoin d'être sauvé. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut comprendre qu'il y a le péché qui est venu et qui a placé un mur entre Dieu et nous. Et la conséquence de cette séparation entre Dieu et nous, c'était la mort éternelle pour tout le monde ici comme destination. La destination par défaut, c'est la mort éternelle, parce qu'il y a eu ce mur qui a été placé par le péché entre Dieu et nous. Et Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire que verse le péché, c'est quoi ? C'est la mort. » Reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même, reconnaître que même si on fait plein de bonnes actions, ça ne suffit pas. Reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, ça c'est le point de départ du salut. Il faut que tu reconnaisses que tu en as besoin, que tu ne peux pas y arriver par tes forces. Deuxième point pour recevoir le salut, tu dois croire en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Romains 10, versets 9 et 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Donc tu dois en faire ton sauveur. Tu dois comprendre que la désobéissance d'Adam et Ève, c'est venu infecter ce monde du péché, complètement infecté. C'est pour ça que tu es né pécheur. Et je pense que je ne dois pas te faire un dessin, tu le sais bien que tu es né pécheur, avec toutes les mauvaises actions que tu as déjà pu commettre depuis que tu es né. Tu as vu l'état de ce monde, tout le péché, toutes les guerres, toutes les mauvaises choses qui prennent place. Je ne crois pas que je dois trop te convaincre que ce monde est infecté par le péché. Je crois que tu es au courant avec ça, n'est-ce pas? Donc, dès notre naissance, notre relation avec Dieu est brisée à cause du péché. Et Jésus-Christ est mort à la croix comme un sacrifice pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Et il est ressuscité pour te donner accès à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cette excellente nouvelle? Acclame le Seigneur, c'est vraiment une excellente nouvelle. Jésus-Christ est le seul sacrifice suffisant et parfait pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. C'est le seul. Il n'y en a qu'un qui est suffisant pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Tu peux aller lire tous les livres que tu veux, suivre toutes les formations que tu veux, aller dans n'importe quel rassemblement. Il n'y a que par le sacrifice de Jésus-Christ que tu peux obtenir le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Il n'y en a aucun autre. Et aujourd'hui, je dois te dire cette vérité spirituelle. Peut-être qu'il dérange, mais je dois te la dire. Toute autre forme de spiritualité est une tromperie. Toute autre forme. Toute autre forme. Même ce qui est lié aux ancêtres. Même les choses qu'on nous enseigne dans les familles en disant « Ah, mais c'est toujours comme ça. Ça, c'est les ancêtres. Il ne faut pas toucher. » Ben oui, il faut toucher. Il faut toucher. Toute autre forme de spiritualité est une tromperie pour te garder loin de la réconciliation avec Dieu. C'est une ruse de l'ennemi pour que tu ne sois pas sauvé. Parce que les mélanges, ça, ce n'est pas de Dieu.
je viens à l'église, j'entends parler de Jésus, ça avait l'air d'être un bon bonhomme. Hein? Ouais, il était sympa Jésus. Hein? Allez, on va essayer de faire un peu des bonnes actions. Mais quand je rentre à la maison, on me dit que les ancêtres ont dit ceci, que hein, y a la tante là qui est dans l'occultisme, et puis peut-être qu'il faut quand même aller lui demander. Hein? Et puis après on nous dit que quand même, il faut aller voir le médecin traditionnel. Hein? Ben, c'est un médecin. Quand tu arrives chez lui, il te dit qu'il peut te montrer ceci ou cela, qu'il peut faire en sorte que les gens là-bas ne t'ennuient pas, que celui qui t'avait fait des problèmes, il va te donner son nom. Tromperie. Tout ça, ce sont des tromperies pour te garder loin de Jésus. Parce que laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas avoir accepté Jésus-Christ dans ton cœur réellement, être renouvelé par le Saint-Esprit et aller t'asseoir chez des sorciers. Ce n'est pas possible. Si tu le fais, c'est que tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas encore sauvé, tu es à la bonne place aujourd'hui. Parce que moi, je peux t'assurer que si tu le veux, aujourd'hui, tu seras sauvé. C'est ta décision à toi. Toute autre forme de spiritualité est une tromperie pour te garder loin de la réconciliation avec Dieu. Tu sais, en étant dans l'occultisme, en étant dans la magie, en étant dans des ordres mystiques, en étant dans d'autres religions, oui, peut-être tu vas voir des manifestations surnaturelles. Oui, peut-être tu verras ça. Peut-être que tu vas même faire des bonnes actions. Tu vas peut-être aller même aider les pauvres. Oui, peut-être. Peut-être que tu prendras conscience de l'existence du monde spirituel. Oui, peut-être. Mais sans être sauvé par Jésus-Christ, tu iras en enfer et tu auras tout perdu. Acte 4, 12, d'après moi, un des versets les plus puissants de la parole de Dieu. C'est en lui seul, en Jésus-Christ, que se trouve le salut. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Que quelqu'un reçoive ça. En lui seul. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de plan B, il y a juste un plan A. Le salut en Jésus-Christ seul. On a dit d'en faire ton sauveur, mais aussi d'en faire ton Seigneur. Parce que c'est facile un jour de dire « Seigneur, viens me sauver, je suis tombé tellement bas, j'ai besoin de toi et tu en fais ton sauveur. » Mais tu n'en fais pas ton Seigneur. Ton Seigneur, ça veut dire quoi? C'est qu'il est le maître de ta vie, chaque jour de ta vie. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, « Ok Seigneur, on fait quoi aujourd'hui? Moi je suis disponible, moi je suis à ton service. Seigneur, je veux passer cette journée, je veux t'honorer aujourd'hui. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. » Et tu n'as pas besoin de grosses révélations qui te donnent tous les matins. La parole de Dieu est suffisante. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dedans pour que tu puisses savoir comment vivre une vie qui plaît à Jésus. Et faire de Jésus ton Seigneur, c'est un engagement à vivre pour lui selon ses enseignements. Un autre point lié au salut en Jésus-Christ. Avec le salut en Jésus-Christ vient le pardon des péchés et l'accès à la vie éternelle. D'abord, tu reçois le pardon complet de tes péchés. Et il y a des gens qui sont ici. Et là, je te parle à toi. Tu as besoin de recevoir ça. Il faut que tu arrêtes de torturer la tête par rapport au péché que tu as commis. Et il faut que tu commences à comprendre qu'en Jésus-Christ, tu peux recevoir le pardon complet de tes péchés. Éphésiens 1, 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Tu ne dois pas courir après la délivrance à plein d'endroits différents. Tu viens juste sincèrement à Jésus-Christ et tu obtiens la délivrance. Que quelqu'un puisse recevoir cette parole-là. Quand tu places ta confiance en Jésus-Christ, il y a un renouveau dans ta vie. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Là, tu relèves la tête. Les choses nouvelles sont venues. Est-ce que tu vas encore vivre dans l'apitoiement, dans le passé? Non, les choses nouvelles sont venues. Quatrième point, avec le salut en Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle. Le salut en Jésus-Christ inclut la promesse de la vie éternelle. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu vois plus clair ?
par rapport au salut en Jésus-Christ. Or maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en matière de salut? Mais d'un point de vue biblique, on peut dire que le salut a toujours été par la foi, Ancien ou Nouveau Testament. Ça a toujours été une question de foi. Dans l'Ancien Testament, on voit par exemple Abraham, il a été rendu juste aux yeux de Dieu par la foi. Genèse 15:6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Ça veut dire qu'il a été sauvé par la foi. Or maintenant, est-ce que dans l'Ancien Testament, c'est juste les Israélites qui pouvaient être sauvés? Ok, vous êtes tellement sage, c'est bien. Sage dans le sens de la sagesse. Vous ne vous prononcez pas parce que vous avez peur de dire des bêtises. C'est bien. Je célèbre votre sagesse. Est-ce que c'est juste les Israélites qui pouvaient être sauvés? En fait, il faut dire que Dieu, on le voit dans l'Ancien Testament, il avait une relation qui était vraiment spéciale avec Israël. Mais le salut ne leur était pas réservé. Ce n'était pas juste pour les Israélites. On le voit par exemple, Ruth, une Moabite, Rahab, une Cananéenne, qui ont été sauvées. Sauvées par la foi. Le salut, il était donc accessible aux non-israélites, mais on comprend qu'à ce moment-là, c'était quand même chaque fois par association au peuple d'Israël. C'est parce qu'il y avait un contact avec ce peuple-là, finalement, que certaines personnes ont pu être sauvées. Maintenant, Jésus-Christ intervient. Il y a beaucoup de choses qui changent. Jésus-Christ intervient et Jésus vient ouvrir le salut de façon universelle. Moi, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Et beaucoup de gens qui nous suivent en ligne. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour les blancs. Tout ça parce que il y a des images de Jésus qui circulent sur Google où il est tout blanc, super blanc, avec des beaux yeux bleus et des longs cheveux. Tu connais cette image, n'est-ce pas? Jésus bien blanc, encore bien plus blanc que moi. Hein? Mais juste pour ton information, regarde un petit peu la couleur des gens là, dans sa région à son époque. C'était pas cette couleur-là. Hein? Il était bien bronzé, Jésus, t'inquiète pas. Le salut, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour une couleur de peau, c'est pas juste pour une ethnie, c'est pour tout le monde. Jésus-Christ a ouvert le salut à toutes les nations de façon très claire et très directe. Et dans le Nouveau Testament, Paul l'explique, Romains 1, 16. Écoute ça, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jean 3, 16. Afin que quiconque croit ait la vie. Quiconque, ça veut dire peu importe qui c'est, peu importe son pays, peu importe son origine. Quiconque croit, Jésus est venu ouvrir le salut au monde entier. Donc, en plaçant ta confiance en Jésus-Christ, tu peux être sauvé, peu importe ton ethnie, peu importe ton statut social, peu importe ce que croient tes parents ou tes grands-parents, dans tous les cas, tu peux être sauvé. En résumé, on peut dire que le salut a toujours été par la foi, mais avant la venue de Jésus, on a compris que c'était plus centré sur Israël. Et avec Jésus, le salut est devenu clairement accessible à toutes les nations. Et c'est intéressant parce que le salut qui est rendu accessible à toutes les nations, c'est un accomplissement de la promesse qui avait été faite à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Et on a dit toutes les familles de la terre, on n'a pas dit juste Israël. Ça, tu iras voir dans Genèse 12, 3. Quatrième vérité sur le salut en Jésus-Christ. Recevoir la vie éternelle, est-ce que ça change juste ma vie après mon passage sur terre? Quand on dit, on va recevoir la vie éternelle, est-ce que c'est juste pour après notre passage sur terre? Non. La vie éternelle, ça commence à l'instant même, le jour précis où tu décides de placer toute ta confiance en Jésus-Christ.
c'est à ce moment-là que tu commences à vivre éternellement. Parce que dès ce moment-là, pour l'éternité, tu es reconnecté avec Jésus. Et souvent, nous, ben, c'est normal, on a cette image que, ok, d'abord, on va vivre sur cette terre, on va mourir, et puis il y a ce qu'on appelle l'au-delà, les choses d'après. Mais honnêtement, nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas raisonner comme ça. On devrait se dire, j'étais en train de périr quand je n'avais pas Jésus-Christ, j'accepte Jésus-Christ, j'obtiens la vie éternelle, ce qui veut dire que je vis éternellement, à partir de maintenant, pour l'éternité. Un jour, je vais mourir physiquement, et alors ? Ça change strictement rien. Je continue à vivre, je serai dans la gloire. Et en plus de ça, délivré de tout le péché, délivré de la souffrance de cette terre, nous vivrons absolument éternellement. Ouh, quelle bonne nouvelle. Tu sais, quand tu reçois le salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, c'est quoi ? Dieu lui-même vient habiter en toi. 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Avec le Saint-Esprit qui vit en toi, je t'assure que ta vie change. Ta vie change. Au lieu de te servir, tu commences à vouloir servir les autres. Au lieu d'avoir des rêves égoïstes, Dieu commence à te donner ses rêves pour ta vie. Il y a beaucoup de choses qui changent. Tu te réveilles le matin avec une autre perspective. Seigneur, ok, aujourd'hui je suis à ta disposition, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis reconnaissant pour cette journée, je suis là pour te servir, go, on y va. Tu te comportes aussi différemment dans ta famille. Tu peux pardonner là où tu ne pouvais pas pardonner. Tu peux manifester plus de joie là où il y avait peut-être un peu moins de joie avant. La grâce, le pardon, la paix, tout ça, c'est la marque du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu peux commencer à travailler différemment. Là où tu étais dans la médiocrité, tu peux commencer à avoir ce goût de faire les choses avec excellence. Parce que l'excellence honore Dieu. Parce que toute chose, on le fait comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc si on le fait pour Dieu, on veut bien le faire. Si tu as reçu le salut en Jésus-Christ, moi je te dis que c'est possible que tu vives comme ça. C'est possible que tu vives comme ça. C'est la volonté de Dieu pour ta vie que tu vives comme ça. Et il t'a donné la force pour le faire parce que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. On ne va pas répéter tout le temps, oui on n'est pas parfait, donc évidemment c'est normal. Etc. On le sait bien qu'on n'est pas parfait. Mais il faut arrêter aussi de se réfugier dans cette excuse-là, de dire qu'on n'est pas parfait. Pour faire les choses n'importe comment, pour ne pas amener la paix dans nos foyers, pour ne pas pardonner, toutes ces choses-là, Dieu nous appelle réellement à les faire. Et là, on arrive à une cinquième vérité sur le salut en Jésus-Christ. Celle-là, elle est bien croustillante, tu vas bien aimer. Là, ça va vraiment bien te réveiller. Est-ce qu'on peut perdre notre salut ? J'aime trop déjà juste le titre. Est-ce qu'on peut perdre notre salut ? Alors, dis-moi, est-ce qu'on peut perdre notre salut ? Oui, lève la main. C'est bon, hein, y a pas de sanction derrière. Hein. Non, lève la main. Ok, juste on a un petit problème parce qu'il y a 10% qui ont participé. Tout le monde participe, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sanction. On ne va pas vous bannir de l'église après. Tranquille, on est entre nous, il n'y a pas la caméra sur toi. Ok, on refait. Est-ce qu'on peut perdre notre salut ? Oui, on peut perdre, lève la main. Non ? Ok, c'est moitié-moitié, il y en a qui ne veulent toujours pas participer, mais ce n'est pas grave, Dieu vous aime pareil. C'est bon. Donc, la question de savoir si on peut perdre notre salut, c'est vraiment quelque chose qui vient diviser les chrétiens depuis longtemps. Hein ? Moi, je crois fermement que c'est non. C'est un gros, énorme non. Parce qu'une fois que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, tu es réconcilié avec lui et ton salut est assuré pour l'éternité. Alors, ceux qui disent que non, qu'est-ce qu'ils disent en général ? Ils prennent un passage du genre Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, n'est-ce pas ? Tu as déjà entendu ça, hein ? Mais attention, ce verset, ça ne veut pas dire que tu peux perdre ton salut. Ça veut juste dire que tu vas persévérer jusqu'à la fin et que tu seras sauvé. Mais tu persévères dans quoi ? Tu persévères dans le fait que tu as accepté Jésus, pas que tu fais tout parfaitement. Et c'est ça le problème. Souvent, ça c'est utilisé dans le sens, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dans le sens, hey, tu vas tout faire parfaitement jusqu'à la fin de ta vie, tu ne feras plus une seule erreur parce que sinon tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas ça que ça veut dire.
Ça veut dire persévérer dans la foi en Jésus-Christ, malgré tes luttes, malgré tes chutes. Tu persévères dans la foi en Jésus-Christ, dans ta décision de le suivre. Et je vais te donner un verset encore plus clair qui montre que ton salut est permanent. Jean 10, 28. Jésus parle, il dit, imagine, bah, tu sais, Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre ta parole. En fait, ces versets, on ne les reçoit même plus. Maintenant, juste imagine deux secondes, tu as Jésus qui est là et il te parle. Jésus te parle là, ok? Il est là devant toi, il te parle. Et il dit, je leur donne la vie éternelle. En parlant de toi, il dit, je te donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Il dit, tu périras jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et Jésus dit, Jésus vient devant toi, il dit, je te donne la vie éternelle, tu ne vas jamais périr et il n'y a personne qui va t'arracher de ma main. Si Jésus est devant toi et qu'il te dit ça, est-ce que tu vas encore croire que tu vas perdre ton salut? Non, Jésus te dit ça. C'est tellement une promesse forte. Tu vois, une fois qu'on est dans les mains de Jésus, personne ne peut t'en sortir, même pas toi-même. Même pas toi-même. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui se passe, c'est que le salut repose sur ce que Jésus a fait à la croix et pas sur ce que toi, tu fais dans ta vie. Et c'est ça qui fait toute la différence. On est sauvé par grâce. Seigneur, viens nous donner cette compréhension de ta parole. Viens briser tout légalisme. Viens briser aussi toute notion de mérite. Je mérite mon salut. Je mérite d'être sauvé. Je mérite d'aller au ciel. Tu mérites rien du tout. Je mérite rien du tout. Tout ça, c'est par grâce. C'est par amour. Tu mérites rien du tout. Et aussi dans Colossiens 1, 13, il est écrit que nous avons été, écoute ça, ça c'est intéressant aussi. On a été transposés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Est-ce que sincèrement, tu crois que Dieu, en fonction de nos actions, va s'amuser à nous transposer d'un royaume à l'autre plusieurs fois par jour? Eh ben là, t'as une mauvaise pensée, hop, tu retournes dans les ténèbres. Ah ben là, il va falloir te repentir, hein. Ok, t'es repenti, mais pas assez, là, j'ai... Ah, je sens que le cœur y est pas. Allez, repends-toi encore. Seigneur, je demande vraiment... Ah, c'est bon, t'as mérité. Allez, ok, tu reviens dans le royaume de la lumière. Et puis là, t'es sur la route, il y a quelqu'un qui te bloque le passage. Ah! Oh non, j'ai encore perdu mon salut. Oh, ok, je retourne dans les ténèbres, on fait quoi? Seigneur, je te demande tellement pardon, mais il m'avait coupé la route. Ok, c'est bon pour cette fois, je te retranspose une nouvelle fois dans le royaume de la lumière. Puis tu arrives à la maison, tu es super fatigué. Et puis là, tu as des enfants qui demandent plein de trucs et un moment, tu dis, est-ce que tu peux me laisser tranquille deux secondes? Ah, c'était une mauvaise réponse. En enfer, de nouveau. Et tu n'as pas intérêt à mourir maintenant parce qu'en plus, tu as perdu ton salut. Si tu meurs maintenant, tu pars en enfer. Hein? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. Seigneur, je te demande pardon parce que je n'aurais pas dû dire ça à mon enfant, même si je suis fatigué. Je t'en prie, Seigneur, sauve-moi. Ok, c'est bon pour une fois. Même moi, ça me fatigue. Est-ce qu'il est possible qu'on reçoive par grâce le salut en Jésus-Christ? De façon simple, on le reçoit. Parce qu'on n'a rien mérité. Est-ce qu'on peut juste dire merci Seigneur pour ce salut qui est immérité? Merci Seigneur pour le salut. Je ne l'ai pas mérité, mais je l'ai reçu. Éphésiens 2, 8, 9 nous apprend qu'on est sauvé par la foi et non par nos actions. Donc c'est vraiment cette foi qui vient garantir notre salut, pas nos actions. Donc je veux que tu puisses comprendre ceci. Le salut en Jésus-Christ, ça a été rendu possible par le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu lui-même fait chair. Il s'incarne dans le corps d'un homme et il vient mourir à la croix pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Est-ce que tu te rends compte le degré, le niveau de sacrifice extraordinaire, ce que ça lui a coûté? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, ça lui a coûté trop cher que tu puisses être sauvé pour qu'il s'amuse à te faire perdre constamment ton salut. Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu penses qu'après avoir payé un prix aussi grand, Dieu va chaque fois reprendre ce salut à la moindre erreur? Non. C'est un sacrifice qui est définitif. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, nous tous ici, on arrête de se poser cette question. Est-ce que je vais rater le ciel? Oh, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Oh, avec ce que j'ai fait, est-ce que je suis encore sauvé? Arrêtons avec ça.
Tu veux savoir si tu vas rater le ciel? Mais pose-toi juste la question, est-ce que tu as décidé de placer toute ta confiance en Jésus-Christ? Si c'est oui, tu ne vas pas le rater le ciel, ok? Peut-être que tu vas te pourrir la vie parce que tu vas prendre des mauvaises décisions. Peut-être que tu vas retourner dans des péchés dégueulasses, mais tu ne vas pas rater le ciel. Mais peut-être que tu auras une vie pourrie à cause de ça. Peut-être que tu auras une mort prématurée parce que tu as pris des mauvaises décisions. Mais le ciel est assuré pour chaque personne qui décide de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour le salut par la grâce qu'il nous donne. Sixièmement, une fois qu'on est sauvé, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait quoi? Eh bien, Jésus a laissé tous ceux qui reçoivent le salut avec une mission. Regardez Netflix. Être sur TikTok. Pas vraiment. Matthieu 28, 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, la meilleure façon d'amener d'autres personnes à recevoir le salut en Jésus-Christ, c'est le témoignage de ta vie. C'est ta vie à toi, en fait. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Réfléchis. On a dit qu'il y a une notion d'éternité. Donc, dès que tu acceptes Jésus, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Logiquement, Jésus aurait pu choisir que tu l'acceptes, tu disparais. Tu es emmené au ciel. Puis c'est bon, tu es quand même sauvé de toute façon. C'est pour l'éternité. Tu vas faire quoi encore ici? Je me suis posé la question longtemps, hein, mais il n'y a qu'une seule réponse. Tu vas faire la mission. Tu vas contribuer à ce que d'autres personnes puissent le connaître également. C'est juste à ça. C'est juste ça qu'on doit faire, en fait, quand on est sur cette terre. Il n'y a rien d'autre, en fait. C'est pour ça que Jésus nous laisse sur cette terre, pour que d'autres puissent le connaître. Et les gens qui te connaissent maintenant et qui t'ont connu avant que tu suives Jésus, mais ces gens-là, ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Ils voient que tu étais un ivrogne. Et aujourd'hui, tu n'es plus un ivrogne. Dis, si toi tu m'avais croisé quand je ne connaissais pas Jésus, oulala, tu te serais dit, c'est pas possible. Et d'ailleurs, même si tu connaissais ma vie quand j'étais un étudiant, mais tu dirais, en fait, ce gars, il est qui pour me parler aujourd'hui et pour me prêcher la parole de Dieu? Un gars qui était autant dans l'erreur. Ma famille, c'est pas une famille de chrétiens. Hein? Moi, j'avais la vie de le jeune, la vie à l'université. Hein? Juste l'amusement, juste ça. Mais Dieu aime utiliser des choses qui paraissent folles. Des gens, en fait, on se dit, mais s'il y a bien une personne qui ne pourrait pas prêcher l'évangile et qui ne pourrait pas être utilisée par Dieu, c'était ce gars-là. Sur les 100 personnes qu'il y avait dans l'auditoire, c'est sûr, c'était ce gars-là, c'était moi. Mais Dieu choisit d'utiliser. Pourquoi? Pour que tu comprennes aujourd'hui qu'il faut sortir de cet esprit de religiosité. On attend Dieu d'une certaine façon. Hey, un pasteur qui prêche, ben son père était pasteur, son grand-père était pasteur, et ils sont pasteurs depuis au moins 10 générations. Hein. Et c'est pas ça que Dieu fait. Dieu, il choisit des choses qui sont complètement folles pour que toi tu te dises, c'est possible aussi pour ma vie. C'est possible aussi pour ma vie. Et toi, si tu as pris cette décision de suivre Jésus, ça se voit. Et les gens qui te connaissaient avant, ils disent, hé, mais... Et c'est pas qu'ils t'applaudissent tous, hein, parce qu'il y a des gens, ça leur convient pas, ça, ils sont pas contents. Et hé, mais... Moi, on m'a dit ça souvent. On rigole plus avec toi. Ok, ben si pour toi rigoler, c'est faire... Ah ben on va arrêter ça, je préfère pas rigoler alors. T'inquiète pas, les gens qui veulent plus te suivre parce que tu as pris la décision de suivre Jésus, c'est pas une perte. C'est pas une perte. Tu pries pour ces gens-là et tu continues à marcher avec une vie qui honore Dieu, en priant pour eux, en espérant qu'un jour eux aussi ils vont connaître le Seigneur. Parce que là où tu étais par exemple dans la débauche sexuelle, tu peux devenir un mari, une épouse fidèle, tu peux devenir quelqu'un qui se préserve en attendant le mariage. Ça c'est le témoignage que tu emmènes alors que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Là où tu volais, tu restitues et tu es honnête. En fait, que quelqu'un ici qui était dans le vol, moi je prie pour quelqu'un ici qui était dans le vol. Moi je prie que des gens qui ne connaissent pas ton histoire
rapporte un témoignage en disant, hey, tu es vraiment une personne honnête, hein? Ça se voit que vraiment toi tu es honnête et puis on peut te faire confiance. Jésus transforme réellement les vies. Là où tu étais égoïste, tu penses aux autres. Là où tu avais de la haine, tu manifestes l'amour. Là où tu te battais pour un gain personnel, tu commences à te battre pour des causes qui sont sur le cœur de Dieu. Et tu sais, c'est pas que tu fais tout parfaitement, c'est pas ça que je dis. Mais parce que Jésus-Christ est dans ta vie, il y a une amélioration très visible. Et quand tu tombes, tu te relèves. Pourquoi est-ce que quand on chute, on creuse encore plus bas pour aller se jeter dans un trou qui est encore plus bas? Et encore plus bas, et encore plus bas, et encore plus bas. Tu chutes, tu te relèves instantanément. Par la repentance. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Je sais que ce n'est pas une bonne chose que je viens de faire. Je te demande pardon. Mais je ne vais pas tomber dans le piège de l'ennemi, de creuser encore plus bas. Je me relève et je continue ma marche avec toi, Seigneur. J'ai dit quoi ? Jésus, quand il est mort à la croix, c'était pour racheter les péchés. Passé, présent, futur. Donc le sacrifice est fait pour couvrir ces fautes-là. C'est juste que tu viens, tu te repens et tu continues ta marche avec Dieu. Et le Seigneur pardonne. On a un avocat auprès du Père quand on pêche. Jésus-Christ le juste. Tu sais, si toi tu as décidé de suivre Jésus, j'ai cette parole là pour quelqu'un qui est ici. Tu entends tout ça et tu entends beaucoup de avant Jésus, après Jésus. Avant Jésus, la vie elle était sale, après Jésus, la vie elle est propre. En fait, moi je parle à quelqu'un et c'est quelque chose même que j'ai ajouté dans le message assez récemment parce que je ressentais que c'était vraiment pour quelqu'un qui allait venir aujourd'hui. C'est que toi en fait, tu as vraiment décidé de suivre Jésus. C'est une vraie décision. Mais le problème c'est que tu as perdu le focus sur Jésus. Et progressivement, t'es rentré dans certains péchés. Et là, c'est dur parce que tu luttes, tu dis, oui, mais est-ce que finalement je suis sauvé, je ne suis pas sauvé? Comment ça se fait que je suis encore en train de faire ces choses-là? Mais tu sais quoi, pour toi, la solution, c'est juste que en ce moment même, alors que je parle, tu te repens devant Dieu. Tu demandes pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, c'est tellement une vraie décision que j'ai prise de t'accepter. Et oui, je suis sauvé. Mais je veux te demander pardon, Seigneur, pour ma perte de focus sur toi. Seigneur, tu dis, je veux prendre conscience que le Saint-Esprit vit en moi. Et en fait, le Saint-Esprit vit en toi parce que tu avais vraiment accepté Jésus. Mais ce qui se passe, c'est que alors que tu pêches, tu as péché la première fois et puis tu savais que c'était pas bien. C'est comme si tu entendais même la voix de Dieu qui dit, hey, mais pourquoi tu fais ça? Arrête ça. Tu as repêché une deuxième fois, tu entendais déjà un peu moins. Troisième fois, encore un peu moins. À partir de la cinquième fois, tu continues à te vautrer dans le péché et tu n'as même plus de rappel du Saint-Esprit parce que tu as éteint la voix de Dieu. En ce moment même, le volume de la voix de Dieu passe de 0 à 100. Et qu'à ce moment-ci, tu sens, tu entends même le Saint-Esprit te parler et te dire, ça c'est une parole pour quelqu'un qui est ici, qui avait perdu le focus. Le Saint-Esprit te dit, tu es pleinement l'enfant de Dieu, c'est juste que tu avais perdu le focus. Recentre-toi sur Jésus. Parce que Jésus veut faire des bonnes choses avec toi. Recentre-toi sur lui maintenant, il n'en a pas fini avec toi. En conclusion, je veux te dire que la vie chrétienne, c'est un appel à être focus sur Jésus-Christ et ses enseignements. C'est un appel à être focus sur Jésus, ses enseignements, et à vivre une vie qui est conforme, bien sûr, à ses enseignements. Mais je veux te dire que c'est si facile de perdre le focus. C'est très facile. Il y a tellement de distractions partout. Que ce soit en courant après l'argent, en négligeant d'aimer, en étant égoïste, en se faisant piéger par le péché. On s'éloigne de l'essentiel, notre salut en Jésus-Christ. Le matérialisme étouffe. Le manque d'amour détruit. Le péché trompe. Mais un jour, tu quitteras cette terre. Où passeras-tu l'éternité? Aujourd'hui, recentre-toi sur Jésus. Garde les yeux fixés sur lui, qui est le seul qui peut t'accorder la vie éternelle. Vis une vie qui est alignée avec ses enseignements. Et ne laisse ni l'argent, ni le péché,
ni le manque d'amour te détourner de l'objectif véritable que Dieu a pour ta vie. L'objectif de Dieu pour ta vie, c'est que tu restes focus sur Jésus-Christ et que tu amènes d'autres personnes à le connaître. Tu peux fermer les yeux là où tu es en ce moment. Je vais prier pour toi qui es ici, à Kinshasa, sur le campus Ngaliema, et aussi pour ceux qui nous suivent en ligne en ce moment. Je veux d'abord prier pour quelqu'un qui a entendu cette prédication et qui a été vivement touché, qui comprend qu'il y a une décision à prendre. C'est celle de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Si tu es ici et que tu veux prendre cette décision pour la première fois, tu dis « c'est vrai en fait, je veux placer toute ma confiance en Jésus-Christ et recevoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle », tu peux lever la main là où tu es maintenant. Tu peux lever ta main maintenant. Et si tu nous suis en ligne, tu peux écrire Jésus en commentaire. Je vois vos mains levées. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut prendre cette décision, qui dit « moi, je décide de placer toute ma confiance en Jésus-Christ. Mon salut, c'est aujourd'hui que ça se passe. » Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu peux encore lever ta main si tu veux. Ok, je te vois, tu as levé ta main aussi. Ok, vous pouvez baisser la main maintenant. J'aimerais qu'on fasse cette prière tous ensemble. On va faire cette prière tous ensemble. Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus, ça sera comme un rappel. Et tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes fautes. Plus fort, j'entends absolument rien. Fais-le vraiment avec cette conviction. C'est tellement un moment important. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te demande pardon pour mes fautes. Je reçois ton pardon, Seigneur. Je reçois l'accès à la vie éternelle. Je reconnais que tu es mort à la croix pour racheter mon péché et que tu es ressuscité pour me donner accès à la vie éternelle. Seigneur, merci pour l'accès à la vie éternelle. Merci pour le pardon de toutes mes fautes. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vient habiter en moi maintenant. Seigneur, je décide de te suivre. Seigneur Jésus-Christ, je vais vivre pour toi. Et par la puissance du Saint-Esprit, je serai cet outil entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et j'aimerais aussi qu'on puisse prier. Et je vais prier pour tous ceux qui ont perdu le focus. Toi, tu avais déjà accepté Jésus, mais tu as perdu le focus. Ça peut être parce que tu es trop dispersé dans tes activités. Ça peut être le péché, ça peut être toute une série de choses qui font que tu es là aujourd'hui, mais tu te rends compte que tu n'as plus le focus sur Jésus. Si c'est ton cas, tu peux juste lever la main, je vais prier pour toi. Et si tu es en ligne, tu écris juste « focus » dans un commentaire. Lève ta main si tu es ici, tu sens que tu as perdu le focus sur Jésus, tu veux te recentrer en ce moment. C'est bon, je vois vos mains, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que, en fait, c'est toi qui vas faire cette œuvre maintenant. Je prie maintenant que toutes les personnes qui avaient perdu le focus sur Jésus, qui étaient dispersées, se recentrent sur la personne de Jésus-Christ. Je prie que toi, qui avais perdu le focus, tu peux en ce moment avoir une joie intense. Une joie intense d'être sauvé. Une joie intense que tes péchés soient pardonnés. Une joie intense que tu as la vie éternelle. Et que tu te reconcentres sur Jésus. Qu'à partir de cet instant, tu sors de la distraction et tu viens remettre toute ton attention sur Jésus. Que ta vie porte du fruit pour lui. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris cette décision d'être à nouveau focus sur Jésus. Et je veux annoncer à cette personne qu'elle... elle va voir sa vie en fait décoller, des portes vont s'ouvrir, il y a tout qui va se placer en fait. Parce que pour l'instant, tu cherchais les solutions toute seule. Mais alors que tu as pris cette décision de te recentrer sur Jésus, les portes s'ouvrent maintenant dans ta vie. Les impossibilités tombent et tu rentres dans tout ce que Dieu avait prévu pour toi. La porte était déjà ouverte devant toi, mais tu cherchais des solutions à gauche, à droite, et en arrière. Sois focus sur Jésus-Christ
et tu rentreras dans tous les plans parfaits qu'il a prévus pour ta vie. Seigneur, nous t'appartenons. On refuse de mener des existences stériles. On prie que chaque personne ici soit utilisée par toi. On prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, là où tu es.